Là, c'est du sang, là, je suis désolé, c'est pas du jus de groseille, hein. Oh putain! Ah, t'es moche! Hello tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Killing Floor 2. Merci Killer de m'avoir gentiment offert ce jeu. Killer toujours là pour faire des cadeaux comme d'habitude. On va bousiller du zombard, on va déchirer de la tripe, on va se baigner dans le sang. Ça va chier, voilà. Là ça rigole plus. Du jeu, du gore, en veux-tu, en voilà. Du métal, à fond, c'est parti. Enfin, on va éviter, hein, droit d'auteur, tout ça. Bon bref, on y va, go. Bouffe! Pour ceux qui ne connaissent pas Killing Floor, je les encourage à aller regarder les autres vidéos de la GFF. Killer a fait une vidéo découverte dessus, il explique un peu le jeu. Tout simplement, c'est une espèce de mode zombie de Call of. Ok, par contre, j'ai un peu peur pour le son. Bouf! On va essayer de pas se faire buter, hein. Ok, il y en a un qui passe devant moi, ouais, tranquille, vas-y. Alors le truc, c'est qu'il faut viser la tête, et c'est un peu compliqué parfois, hein. Vous pouvez pas me foutre la paix. Oh les gros lards. Le classique... gros zombie bien dégueulasse, ah, avec des belles pustules sur le fion, c'est parfait. Moi ouais, je pense qu'il va mourir un peu. Ouh le double. Merde. J'ai envie de tester un peu le couteau là. Ouf. Bon, ça se passe bien. Voilà, vague terminée. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que là, ça ne rigole plus. Là, voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, parce que j'ai toujours un peu peur. Là, je capture avec Shadowplay, donc normalement, les 60 FPS sont là. Ils sont beaux. Le 60 FPS full ultra de la mort qui tue. On va tout de suite à l'homme. Comment tu veux que je passe ? Tu m'expliques. La porte est soudée. Je suis derrière, tête de... Alors lui, il est intelligent. On peut passer par là? Bah non, on peut pas, hein. Sinon c'est pas drôle, quoi. Bah, je sens que je vais mourir, voilà. Ok, donc Killing Floor, c'est un jeu coop style Left 4 Dead, etc. avec plein de types de zombies. Hyper gore, graphiquement hyper beau. Bon, c'est pas le level le plus beau. Il est encore en alpha ou bêta, je sais plus. Enfin bref, il est pas fini, quoi. Ah, mais ça, on connaît. Voilà, bah oui, bah mais c'est un peu tard, voilà. J'ai même pas pu recharger les munitions. Bien joué. Bien joué, Galagan. Bon, on va prendre le flingue, hein, tant pis. Ah ben Yann, il est là, Yann. C'est Yann Alain. C'est Yana, Yann Alain, il a rejoint la partie. Voilà. Plus on est de fou, voyadri. Alors ils marchent toujours. Ah ouais, ils sont vivaces, hein. Les bougres. Ils sont vivaces, hein. On leur explose la cervelle, ils continuent d'avancer. Ok. Donc encore merci à toi, Killer, d'avoir offert à moi et à Yann en plus. Aux deux qu'il a offert le jeu. Ouah, bullet time, oh, c'est même pas pourquoi.
Ah, c'est parce qu'en fait, quand on tue des ennemis, des fois ça active un bullet time, et pour un souci de synchro... Pour un souci de synchronisation, le bullet time est pour tout le monde, hein, tout simplement. Sinon ça sera un peu le bordel. Mais c'est bullet time... Oh putain, t'es moche toi. Mais oh ah, bullet time. Alors ça c'est génial. Il y a vraiment les balles au ralenti et tout. En gros les balles ont une certaine... Oh merde. Ok. Grenade. Oh la grenade dans le vent. J'ai pété les lumières, on voit plus rien, c'est génial. Vas-y, ouvre la porte, toi, qu'on rigole. Oh ! Aïe, aïe ! Oh ! Alors lui, c'est un mec qui tire des boules de feu, il est assez... Ah, putain, non, lâche-moi, toi ! Ok, c'est bon. Il reste plus que 13 zombies, là. Ouais, c'est un système de vagues, hein, y a pas vraiment de... T'es moche, toi. Y a pas vraiment d'objectif à accomplir, c'est surtout un système de vagues. Je crois que c'est le seul mode de jeu qui est disponible pour l'instant, c'est le mode survie. On a 7 vagues, plusieurs niveaux de difficulté, de plus en plus dur. Hein. T'étais moche, toi. Je sais pas ce que tu foutais, mais t'étais bien. Y a du sang partout, il y en a jusqu'au plafond. C'est un truc de dingue. Voilà. Killing Floor ou comment apprendre à repeindre les murs. Allez, on va direct... Allez, là, il faut que j'aille au marché, là. Il faut que j'aille au marché. Il me faut d'autres armes, surtout que là, j'ai de la thune. Donc, s'il vous plaît... Ah, voilà, c'est là, c'est parfait. C'est parfait. Il est où, Yann? Je sais pas. Ah, il est là-bas. Il y en a là. Donc, lui aussi a fait une vidéo sur Killing Floor, hein, vous irez voir sur sa chaîne. Après, le truc... Ah type, fusil à pompe s'il te plaît. Ah j'ai pas assez pour le fusil high tech. Ah merde. Je vais prendre la cloueuse parce que j'aime bien la cloueuse. C'est Fandard. Ah j'aime bien ça moi. Ça envoie une flopée de clous hein, tout simplement. C'est l'arme artisanale par excellence. Ouais donc je disais, il y en a là aussi fait une vidéo de son côté. Bon le souci c'est que... Il y a un petit souci du upload quoi, c'est YouTube. Hein. On commence à connaître YouTube. Bon, il va la réuploader donc il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos des confrères de la GFF sur le dit jeu. Ah non, hein, me foutez pas dehors. Hein. C'est qui vont? Là, j'ai cru qu'ils allaient encore... Mais ils nous enferment. Oh, c'est pas grave. Non, bon, je sais pas trop ce qu'ils font, bon, tant pis. Ça c'est une grenade médicale, d'accord. Bon, on est dans cette petite cour intérieure, n'est-ce pas? Ah, il y a quelqu'un qui toque là. Oh merde. Tu veux du clou? Ouh, elle fait mal quand même la clou. Tac tac tac. Tac tac tac. Oh le gros, j'ai failli le faire tomber. Wesh. Alors les clous ça ricoche hein. C'est on va dire l'avantage. Oh mais... Oh, oui bah vas-y toi. Par contre je peux pas avoir de lampe. Oh, bullet time, je suis en train de recharger. Le gâchis. Oh, deuxième. Toujours en train de recharger. Alors là, il y a des zombies. Enfin, des zombies. Je sais même pas si c'est des zombies, c'est plus des monstres. Il y en a, ils sont invisibles. Il y en a, ils font des espèces de champs de force. T'as les araignées qui te sautent dessus. T'as les gros qui te vomissent dessus. Il y en a plein, il y en a plein. Et je suis encore en train de recharger au bullet time. Non, mais ça, c'est génial. Et à chaque fois, j'y ai droite. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon. Non, c'est la cloueuse qui fait des trous comme ça dans le mur. Pas possible.
Oh, oh, toi, t'es pas gentil, toi. Ah, il me reste des clous. Ouais, bon. Ça n'a pas servi à grand-chose. À chaque fois, je les foire, de toute façon, les boulets de taille. Tant pis, hein, je les foire. Je les... Ah non, mais j'ai plus de balles. Ah bah oui, ramène tes copains. Toi, tu meurs. Quoi? Voilà, invisible, voilà, des espèces de gonzesses invisibles. Non, tu me lâches, toi. Merci. Oui, toi, t'es mort. Alors, toi, t'es... Le mec, il avait plus de tête, il arrivait à crier. Alors, je sais pas comment il a fait, lui, par contre. J'avoue que c'est une performance... formidable, hein, de pouvoir crier sans avoir de tête. Perfect. Ouais, perfect. T'as vu? Ok, donc, allez, on va direct aller au marchand, là. Je veux ce fusil à pompe high-tech. En fait, il y a des armes high-tech, c'est des armes qui sont un peu futuristes. Alors, déjà, elles sont bien, c'est des bonnes armes. Mais ils ont une espèce de tir secondaire qui permet de... Enfin, je crois que ça dépend des armes. Mais qui permet de soigner les coéquipiers. Alors, déjà, type, c'est fusil à pompe. Déjà, je vais vendre celui-là. Vendre, voilà, je peux prendre le fusil high-tech. Je le remplis. Et je fais remplissage automatique. Bon, bah, j'ai pas pu avoir toute mon armure. Mais j'ai le fusil high-tech. Bah, par exemple, il y en a là. Voilà, je peux le soigner. Donc, c'est génial. Par contre, Yann, faudra faire un effort hein, pour ton visage. Enfin. Then I'm getting closer. Alors ça j'aime bien aussi, c'est la voix synthétique, l'espèce de... Enfin, la nana qui vous parle pendant l'émission. Des fois elle parle français, des fois elle parle anglais. Voilà, là elle a dit mes amis. Quand t'arrives près du vendeur, elle dit bonjour. Quand le temps est presque fini, elle dit vite. Mais sinon elle parle anglais, voilà. Alors j'ai pas trop compris le délire. Toi t'étais un peu en feu par contre. Mon ami. Ouh! Ouh! Oh là 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 là! Alors là, quand il y a un gros cri comme ça, en général, c'est pas bon signe. C'est que. Recharge, ouais, ce serait gentil de ta part. C'est que en gros il y a un méchant qui va arriver. Un mec qui rigole pas, tu vois. Oh là là, t'es coupé en deux toi. Est-ce que t'as pris. Voilà. Ouf. Il est mort. Par contre là j'ai vidé mes munitions. Ça me rappelle, vous savez ce que ça me rappelle ce jeu? Bon bien, enfin niveau des zombies. Là il y a une femme invisible. Mange. Ce jeu me rappelle les espèces de jeux d'arcade. Avec un flingue, on prenait un fusil, on butait des zombies. Là, c'était quoi? C'était Dead House, je crois que ça s'appelait. Je trouve que les zombies leur ressemblent. Enfin, après... Oh là là, la tête qui éclate au ralenti, c'est beau. Ah. Il y a des zombies avec les épées d'Urukai, là. Ça, c'est violent aussi, ça. Toi, tu restes couché, s'il te plaît. Bon, bah, ça se passe bien. Hein. Il reste. Ouais. Ah, bah, ils arrivent du dernier métro. Bon, j'ai plus de balles dans mon. Dans mon high-tech pump. Bah, c'est vision là, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais taper dessus? Faut réagir dans la vie.
Oh putain. Toi, je t'ai vu venir. Reste là-bas, toi. Toi, t'es bien moche. Oh, toi, t'es pas content. Oh merde, c'est pour moi ça. Pourquoi c'est moi tout seul contre les deux là? Oh, c'est dégueulasse. Yann m'a encore sauvé la vie, hein. C'est dingue. Hein. Ok, alors là on a de la thune, enfin on a de la thune, pour acheter des munitions pour mon high-tech pump, s'il vous plaît. Alors là on est 6, hein, le serveur est plein je crois. Il y a des serveurs 40 joueurs mais il n'y a jamais personne dedans, à mon avis c'est parce que 40 joueurs ça doit être un de ces bordels. Ça doit être un de ces dawa. Alors qu'est-ce que je peux prendre d'autre, l'avantage, qu'est-ce que c'est, non, pulvérisateur, ah d'accord. Ah, ça c'est des armes spéciales pour les différents... Oh, un AA-12, c'est énorme ça, faudrait que je l'essaye ça. Chaque classe a ses armes, d'accord. Katana c'est pour qui ça? Hors avantage, d'accord, donc n'importe qui peut l'avoir. Donc si je revends le couteau... Non, je peux pas revendre le couteau. Ah, c'est dommage, j'essaierai le katana plus tard, tant pis. Dans une autre partie, j'essaierai le katana, bon. Qui c'est qui a besoin de soins? Et Moiki 97 là, reste pas dehors. Ah voilà. Tiens toi, voilà. Bouffe ta seringue, ça te fera du bien. Qui veut la drogue? Tu veux la drogue? Tiens, viens là toi. Tu veux la piqûre? Tiens. Voilà. Je me remercierai plus tard. Voilà par contre. Non, saute pas! Oh, qu'il est con. Allez, rentrez là. Rentrez, je ferme, hein, je vous préviens. Démerdez-vous. Voilà. Ah non! Quel con, je me suis enfermé avec des zombies en fait. Ok, bon non, ça va, j'ai l'air assez safe. Oh, j'ai rien dit. On va mettre un peu de lumière parce que... Ah, t'aimes pas la lumière, c'est ça. Toi, t'étais bien moche aussi. Toi tu meurs, voilà. Oh merde. Oh, j'ai cru qu'elle allait pas mourir, la fourbe. T'es un peu purulente, toi. Enfin... Bon ben ouais, mais on peut enfoncer pour équiper le soudeur. D'accord, moi j'aimerais... J'aimerais bien sortir en fait finalement là. Je me sens un peu seul. On n'a rien vu avec toute cette lumière. Il est pas mort. Ouais, il est mort. Oh, tu t'es pris des éclaboussures toi. Ça éclabousse loin, regardez cette mare de sang là, ça brille et tout, c'est beau. Il est bien fait ce... Non, graphiquement sérieux, il est génial. Avec tous ces effets de reflets. Voilà quoi, c'est... Quand on voit une mare de sang, c'est une mare de sang quoi, c'est pas une vieille texture rouge dégueulasse posée sur un mur ou je sais pas quoi. Là c'est du sang là, je suis désolé, c'est pas du jus de groseille hein. Oh putain! Ah, t'es moche! Hop! Encore un roucaille. Arrête de crier! Putain, il leur faut 4 coups, hein! Costaud, hein! Je suis un dingue! Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il reste 20 zombies. Est-ce que je peux défoncer la porte? Non, je peux pas défoncer la porte. J'aimerais bien se... Oh, meurs. Je vais essayer de passer par là. Allez, je me casse. Il va y avoir une ouverture. Ça met nous, ça. Ah, je suis intelligent, moi. Ah, la vache. J'ai le sens de l'orientation, c'est un truc de dingue.
Oh là là, oh la doublette. Ah, on a de la batterie dans la lampe. Je ne savais pas. Est-ce que je peux passer vers par en haut? Il y a peut-être une ouverture là. Quelque... Ah bah attends, il y a une porte là. Ça peut me mener dehors, ça. Ça serait gentil. Ça serait gentil. Non, pas par là. Une arme. Why not? Si je saute ici. Ah bah oui, je me suis cassé un peu la jambe. Hein, voilà. Les munitions. Oh! Ça y est, les vlogs. Ah, oh bah merde, j'ai tiré dans le vent. Attends mon copain, je vais te donner la drogue. Ok, alors, on va faire remplir. Hein. Il me faut 1500, j'ai 900. Est-ce que je peux revendre un truc? Bah, l'arme que j'ai trouvée, je peux la revendre. 100, ouais, tu parles, putain. Et ça, 825. Du coup, j'aurai... Ah bah voilà, je vais pouvoir le prendre, le AA-12, automatique. On va le tester, celui-là. Je sais pas pourquoi je le sens bien, le AA-12 automatique. Voilà. Oh putain, ça va chier. Là, attention, attention. Il est où, Yann? Yann a... Ah bah il est là, Yann. Avec sa sale tronche. T'as vraiment une sale gueule, hein. Ah. Les v'là? Et où c'est qui sont? Là on a la vague 6. Alors je sais pas, combien de temps va durer la vidéo, hein. Je vais essayer de la faire jusqu'à la fin de la partie. Parce qu'en général il y a toujours un boss à la fin, donc ça serait bien de pouvoir faire jusqu'au bout, tu vois. Histoire de faire quelque chose de... Ah bah, vous pouvez pas prendre marcher sur les trottoirs comme tout le monde. Ah, direct des boss. Ah oui, ça tient vraiment en automatique comme ça, quoi. Oh, mais comment ça découpe tout? Mais c'est cheaté. Par contre, toi... Découpage de zombards. Par contre, j'aime pas quand ils font ça. Oh, le tir dans la gorge. Oh, la viande hachée. Oh. Ah ouais, par contre là j'ai déjà vidé la moitié de mes munitions, hein. Ça pardonne pas, quoi. Faut vraiment tirer, faut y aller mollo. J'ai un peu brûlé, non? J'aurais pas un peu brûlé par hasard? Allez, on va se faire une piqûre. Oh, la drogue. Arrête de brûler les gens, c'est pas bien. Mais bon, de toute façon, quand on tire dessus, on n'est pas obligé de viser la tête, on peut viser le corps, comme des bois. C'est juste que... Ok, il y a un méchant qui se ramène, mais où, je ne sais pas. Oh. Ah bah oui, bah là, bullet time oblige. Hein. Oh bah non, il fallait encore que je recharge, voilà. Ça, c'est un truc... Ça casse tout! Toi, je te coupe en deux! Bon. Il est kiffant, ce jeu-là. Il est beau et il est kiffant. Ouais, voilà. Oh. Faut être un peu plus... Ah, ben j'ai plus de balles. Non, non. Voilà, et oh. On va se calmer, Naruto.
Non, tu me touches pas, toi. Ah, grenade médicale. Bon, d'accord. Alors, il reste 12 zombies à abattre. Et là, franchement, le tas de viande, c'est quand même phénoménal. Hein. Ouais, ouais. Tu veux voir ça, Roman, toi. Ok. Étang de la mort. C'est des affiches françaises. Ah ben non, mais je suis à Paris, je suis con. La map c'est à Paris, mais non, mais je suis débile. Je m'étonne de voir, ça mute Paris, bah oui. Bouffe. Je m'étonne de voir, ah, des affiches françaises. Espèce d'abruti, va, t'es à Paris. Ok. On est... bah ça va être la vague 7, hein, normalement. Enfin, 7 sur 7. Et il y aura peut-être un boss après. Alors là, j'ai 1600 de fric, j'ai du pognon. A pu savoir quoi en foutre. Bonjour. Ok, alors, type, est-ce que je peux m'acheter quand même un truc sympa, genre katana, ouais. Oh, ça c'est trop. Ah, ça c'est trop. Ah, je peux pas, je suis trop plein. Je suis trop plein, donc faut que je me sépare d'un truc. Je vais vendre ce pompe-là parce qu'il me sert à rien. Et je vais prendre le katana. Ok, j'ai le katana. Hey Yann, où c'est que tu vas comme ça? Mais y'en a là un. Tu fais ton timide? Bah alors Yann, pourquoi tu pars comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Squad health check. Bon, j'y vais au katana, alors. Il y a du sang partout. On dirait qu'il a plus du sang. Ok, direct, ouais, ça, ça gueule, quoi. Alors je sais pas si ça annonce un mini-boss ou ce genre de truc. En tout cas, à chaque fois que ça gueule, en général, il y a un gros truc qui arrive. Donc là, je vais prendre comme... Ah, j'ai pas rechargé les munitions. J'ai que 40 balles. Ah, mais si, voilà les méchants, d'accord. Ils sont là, les méchants. C'est moi, Yann, ça fait piquer du fric. Ok, il me reste 20 cartouches. Un gros cul, toi, quand même. Hein. Une madame pas contente, quand même. Hein. Bon. Dégage toi. Je crois que je t'ai pas vu. Tu veux faire un duel? Allez viens. Ouais, fais ton kéké avec ton épée là. Allez, vas-y, ramène-toi. Comme ça que ça marche. Yo. Plus de tête, toi, arrête de marcher. Allez, oh, il y a un... Oh. Il y a un pas beau méchant, mais pas du tout, là-bas. Oh, putain.
Bah ça c'est ce qui s'apparente à un mini boss, c'est les genres de trucs qui débarquent quand ça gueule. Oh là là là. Non, t'approches pas. Ah ben, il est mort. Niveau munitions, ça part vite là. Le... Oh, du steak. Ça part vite, hein. Ok. Encore un boss. J'ai des grenades, moi, au fait. Vague exterminée. Ok, allez hop, direction. Voilà, non mais on patauge dedans là, c'est n'importe quoi. Direction le marché. Enfin l'espèce de pod ou je sais pas quoi. Enfin bref, ouais, vous m'avez compris. Racheter des munitions et se préparer au combat final. Au combat de la mort. De la mort qui tue. Là, les 2600 $. Allez. Alors déjà, remplir. Hein, parce qu'il faut remplir, de toute façon. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Lance-flamme. Ouais, non, mais... pistolet paralysant. Fusil d'assaut, tout ça. Alors, avantage en soutien. Ben non, j'ai déjà mon arme. Ok. Non, mais je sais pas, de toute façon, là... voilà, quoi. Y'a quoi ici? Éviscérateur. Ok, ça c'est une arme de corps à corps. Bon allez, on va rester comme ça. Je suis très bien avec mon fusil de chasse. Attends, par contre, est-ce que je peux en avoir dans le chargeur et en réserve? Oh bah merde, j'ai tiré son... Oh, bah, voilà. Vague imminente. Boss. Ok, on va devoir se le farcir celui-là. Bon. Faut le suivre à la voix. De pas être très loin. Wow, 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 wow! Il est là! Oh, je lui ai fait masse dégâts. Ouh là là, il a pas aimé. Ah, il est passé au jaune direct. Hein. Lâche mon pote. Par contre j'ai plus... Oh merde, on est coincé dans le mur. Là. On est coincé dans un coin, où c'est qu'il est? Very, very good. Il rappelle ses copains. Puis il lance des grenades en plus, hein, le fourbe. Ok, il est retourné là-bas. Il est orange. C'est-à-dire qu'il en a pris tellement plein la gueule que... Wow. Wow, 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 wow. Il est où Yann? On va voir la performance de Yann là. Venge ma mort, je t'en supplie. Ah non, non, oh non. Ah bah oui, shit. Ah bah là, oui. Bah là, c'est shit total, là. Allez, bullet time, profites-en. Ah bah non, faut... ah voilà, lui aussi, il a ce problème. Hein. Là, par contre, tu... Ouais. Allez. Oui. Aïe. Ça doit faire... Aïe, ça doit faire mal, ça.
Bon, ils sont encore 3 là, allez là les gars. C'est bon, voilà, canardez-le, c'est bien. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est bien, continuez. Voilà, soigne ton pote. Derrière! Oh là là! Ouais, ça sent la défaite quand même, hein. Je sais pas, je... Ah. Je sens une odeur de... de défaite. Hein, ça sent la... la déception. Non, allez, il est en orange, là. Normalement, c'est... Après, il devient rouge et après, il meurt, je crois. Enfin, normalement. Si je dis pas de conneries, mais faudrait peut-être l'attaquer, quoi. Ça, il balance une balle ou deux de temps en temps. Ils sont pas prêts d'avoir fini, hein. Voilà. Ah, c'est... Non, c'est foutu. C'est qu'un médecin. Tu vas mourir, comment ça s'appelle? C'est ça lag de partout, où on n'arrive même pas à lire. Si vision. Ah bah c'est le gars qui était... Wow. C'était quoi ça? C'est pas Yann qui vient de gueuler dans le micro, non? Je sais pas. Là tu vas mourir. Tu vas mourir, Civision. Nerf gaz, ah bah oui, tu vas mourir de nerf gaz. Ah bah voilà. Mort de nerf gaz. Ah oui, content, il se frotte les mains. Bah oui. Mais t'en as pris plein la gueule quand même, hein, toi. Bon. Voilà une partie typique de Killing Floor 2. Hein. Franchement. Franchement génial. Franchement sympa, ça défoule bien, graphiquement super joli. Pour l'instant, il n'y a que 4 maps, un mode de jeu, mais il y a déjà de bons gros modes de difficulté super bien badass. Faut voir ce qu'il va donner plus tard avec de nouvelles maps, etc. Mais en tout cas, moi, je l'adore. Donc merci un milliard de fois, Killer, encore une fois, de m'avoir offert ce jeu à moi. Et à Yann, bah voilà, il arrête Yann, voilà. Il a fait une partie, les parties sont longues, hein, je sais même pas. Combien de temps va durer la vidéo? Ouais, je suis en train de tourner juste avant le live de Yann. Bon allez, c'est tout. Moi je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si tu as maintenant envie de viande, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et voilà quoi. Hein, n'hésite pas à partager, à t'abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être un live, mais pas, pas maintenant, je sais pas. Je sais pas quand je ferai un live, quand je reprendrai les lives. On verra bien, mais je trouve que les vidéos c'est déjà bien, c'est bien comme ça. Allez, bonne soirée et à la prochaine, c'était Azarath pour Gaming for Fun, ciao tout le monde!